je t'aime. Hein. Parce que ça me gonfle, t'es polie, t'es content, t'es perdu là dans ta vie, en fait, tu sais pas. Oh, je fais des câlins avec Anthony. Ok, donc en fait, ce que je te dis, ça te touche pas. Mais c'est pas ça. En fait, tu es jalouse pour rien à chaque fois. Non, je suis pas jalouse pour rien. Pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi? Mais moi, tu fais la gueule pour rien. Mais je faisais pas la gueule. Ah, tu fais pas la gueule, tu m'envoies des verres. Ah, ah, bravo. On comprend rien à ce qui se passe. D'un coup, Joël, elle sort un passeport, un billet d'avion. Alors là, on est tous choqués. Là, je suis en pression. Dans ma tête, je me dis, mais qui elle va appeler, Joël? Vraiment, je suis en panique. Pas grave. Non. 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 Et là, à ce moment-là, elle sort mon passeport avec mon billet retour. Aga, tu rentres à Marseille. Non. C'est une blague. Coup de massue sur la maison. Personne s'y attendait. Là, on est effondré. T'es plutôt l'arrivée, je t'explique. Tu as tout échoué. On a parlé que ce soir, tu te remettais avec. Ce soir, il te remboucane comme il te remboucane toujours. Et tu te remets avec lui. Et oui, c'est comme ça. Tu es une femme faible, mon enfant. J'en suis sûre, Kevin et elle, ben, ça va repartir de plus belle. Parce que Carla, elle a pas de personnalité. C'est une fille faible, on le sait. L'amour, ça rend pas bête, c'est juste elle qui est bête, quoi. Et en plus, je peux pas me l'avoir, Carla. Je suis sur le balcon et qui je vois arriver au loin? Shogun Tuna. Non, mais je pense qu'en fait, tu n'es pas là pour juger notre relation, juge la tienne avec lui. Parce que moi, je vois de mes yeux et votre relation est pourrie. Par contre, occupe-toi de toi. Si tu restes avec un mec qui te prend pour une gueule. Ah non, mais c'est pas question de ça, en fait. Problème, je pense, par contre, pour le coup, avec moi, il était sincère. Parce qu'encore hier, il était avec toi, il me regardait avec les yeux d'amour, en fait, tu vois. Donc, c'est drôle. C'est drôle, mais... C'est tout. C'est que je pense qu'en fait, il est juste con. Il te regarde avec des yeux d'amour, mais qui te... qui se met avec quelqu'un d'autre, c'est ça. Je pense qu'en fait, il a plutôt fait pour me rendre jalouse. En fait, je pense qu'il s'est plutôt servi de toi, en fait. Je rappelle que Kevin, j'étais quand même avec lui depuis le début. C'est toi qui t'es un peu immiscé dans mon couple et qu'au final, tu n'as rien à voir là-dedans. Donc, mêle-toi un peu ton cul, mêle-toi de tes rugbyman, mêle-toi de ce que tu as envie, mais occupe-toi de tes fesses. Toi, déjà, en fait, tu n'as même pas entendu tout ce qui s'est passé et tu es venue et en fait, tu t'es mise contre moi alors que tu n'as même pas entendu ce qui s'est passé. Et moi, déjà, je me retourne, je dis, j'entends. Tu es venu me demander des explications? Fanny, elle m'a juste entendu dire à Kim, ben, je te comprends. Et en fait, au lieu de me demander des explications, ben, elle s'est fait un film carrément sur Kim et moi. Et si tu comprends pas les choses, viens me demander, mais ne te fais pas de film. Et après, tu t'attaques à moi. Vraiment, là, c'était le bouquet final. C'est juste toi qui passes pour une conne parce que t'es avec lui, en fait, c'est tout. Allez, salut. Si Carla elle est assez naïve pour se faire avoir, ben c'est son problème. Kevin, vraiment, il se fout de sa gueule. Elle le voit pas. Et ben, tant pis pour elle, elle se fera encore avoir une deuxième fois. Après le moment, tu as dit, Kim, je te comprends. Mais est-ce que tu sais pourquoi j'ai dit ça? Ben, dis-moi là. Mais est-ce que tu es venu me demander? Est-ce que tu es venu me demander? Mais je te l'ai dit. Elle me crie pas dessus, d'accord? Ah, toi, tu me cries pas dessus? Non, c'est toi qui me crie pas dessus. C'est bon. Allez, ciao. Allez, tu sais quoi, mais je m'en bats les couilles. Fais ta vie, je m'en bats les couilles. C'est quoi, c'est toi qui fais ta vie? Je m'en bats les couilles. Allez. Mais je t'ai expliqué. Oh, je t'ai expliqué, je te parle. Oh, tu crois que je suis une merde ou quoi? Je viens, je te parle à ta Camille. Et toi, tu m'en bats, tu tournes ta veste. Ah, mais c'est pas, va te faire. Ne parle pas avec moi. It's my girlfriend now. Yeah. Ok. Yeah. Watching TV. Yes. Non. Watching TV, but horny. C'est parti, on n'est pas trop à l'aise avec Jessica, mais bon, maintenant, on est sur le tas, il faut y aller. Allez. Watching TV. C'est comme ça que t'as fait? Oh. Julie, c'est mon ex, en fait, et ça fait quand même des années qu'on ne se touche pas. Et là, simuler ça, c'est un peu bizarre avec Julien, quoi. T'en as pas marre de revoir de la télé? Si, un petit peu. Ça te dirait pas que... Can you guys kiss? Si, totalement. Non, I don't have a condom. Moi, je mets un petit peu d'humour dans le casting. Voilà, je pense qu'on a... On a bien fait le job. Je pense qu'on peut être sélectionné avec Jessica. On a toutes nos chances, en tout cas. Pas rentrer Kevin et Carla? Non, je pense pas. Pas encore. Je suis dans la chambre avec Raouel. Et voilà, depuis ce matin, j'ai un poids sur le cœur. Je suis vraiment pas bien.
j'apprends que Fanny a dérapé avec Kevin, ben en fait, je suis choquée. Après, il est parti voir Carla. Kevin, ben, je sais pas, il me quitte dans la soirée. Après, il se rapproche de Carla, il veut la reconquérir. Et après, j'apprends qu'il va voir Fanny, mais je me dis, il a tout eu, le mec. C'est bon, mais il est fou. Qu'est-ce que j'allais lui parler? Alors, tu veux? Ça va? Ça va. Le film te plaît? Tu veux faire te regarder, toi? Ouais. T'as pas envie de partir en sucette? Can you guys kiss? La Kim, elle s'en donne vraiment à cœur joie. Elle est contente de passer avec Vincent. Elle lui mange même la bouche, alors que juste on avait dit faire semblant. Oh ben elle s'est lâchée, elle a tout donné. T'as des préservatifs? Bah non, on y va comment? Eh ben faut aller en acheter. Ah. No préservatifs. Let's go. I'm cut. Go. Very nice. Cool. Thank you.